Le disque va s'appeler « Et si tout recommençait ?» Et je pense que c'est assez bien parce que je crois qu'un jour, on va tout recommencer. L'idée est venue de Karine. Karine avec moi, on a beaucoup travaillé. Et cet ensemble de Calliope que j'aime beaucoup. On a fait des voyages, des choses un peu partout. On s'est même dans un festival baigné ensemble. On a fait même dansé, on a fait des tas de choses. Et c'est dans la joie donc qu'on fait ce disque. Et alors ce disque, je pense que ce choix que nous avons fait aussi ensemble avec Karine, c'est-à-dire qu'on peut avoir une clarinette et une basse et un violoncelle, un piano quatre mains, un piano avec un trio à cordes, un quatuor avec flûte et trio à cordes, dont les musiciens parlent et disent des textes de Victor Hugo, de Tristan Corbière. Et donc ça a été d'un bout à l'autre, on n'a pas tout à fait terminé, mais je pense, je ne sais pas, je ne vois pas leur tête, on est heureux de faire ça ensemble. Je pense qu'on est vraiment très, très, très heureux. Et ça se sent dans leur manière de jouer. Et en fait, on s'est tous choisis, c'est ça, en fait. Voilà. Donc, c'est un grand bonheur. Voilà, ça, c'est toute la base de cette pièce. Et c'est parce que j'ai vu la veille de me mettre à écrire cette pièce, Elisabeth Schwartz, qui est l'ambassadrice des Adorats d'un camp, j'ai compris ce qu'il fallait que j'écrive. C'est comme ça que j'ai voulu illustrer cette mer qui bat les rochers, qui bat l'écume, batte, derrière il y a le mot batte, char, roue, écume. Et ça, pour moi, ça a été très porteur pour l'écrire. Et si tout recommençait ?